La surdité cécité, c'est le nom difficilement prononçable que l'on donne à la condition qui combine deux handicaps, le handicap visuel et auditif. Au Canada, plus de 1% de la population est atteinte de surdité cécité. Pour nous parler de différents projets qui les concernent, on reçoit le chercheur Walter Wittisch. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien, merci. Vous avez été occupé ces derniers mois sur plusieurs travaux qui nous intéressent. D'abord, la pandémie qui a entraîné plusieurs interventions à distance, ce qu'on appelle la téléréadaptation, vous a permis de faire certains constats sur comment les personnes avec la surdité cécité peuvent bénéficier de cette pratique. Oui, c'est une question qui est proche de tous nos clients. Quoi faire dans une situation de pandémie avec la réadaptation et aussi comment ajuster, comment livrer nos services en distance? C'est souvent aussi un défi d'accessibilité, comment communiquer, comment faire des interactions. Est-ce que c'est auditif? Est-ce que c'est visuel? On a des gens qui sont bien à l'aise avec le téléphone, mais on a des limites de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'utiliser des conférences vidéo, par exemple, et c'est pas tous les logiciels qui sont également accessibles à tout le monde. Par hasard, on a commencé un projet il y a 2 ans sur la téléréadaptation et ça s'est terminé cet été. Une des grandes questions on a posées à l'époque, c'était est-ce que c'est acceptable ou est-ce que c'est bien accepté par nos usagers? Et le bon résultat, oui, ça fonctionne très bien, ça dépend un peu c'est qui et quelles sont les activités, mais ça va bien jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a demandé certaines adaptations pour être capable de faire de la téléréadaptation? On sait que plusieurs de ces, la majorité de ces personnes-là, c'est difficile de voir et d'entendre. Donc, comment on peut fonctionner en mode virtuel? Le mode virtuel, c'est clair que c'est un défi et c'est pas tous les services qui sont faisables de faire à distance. Ça, c'est clair. Donc, nous, on explore maintenant quelle partie de vos services sont gérables. On a des ajustements qu'on peut faire au niveau de la fonctionnalité de l'audition. Est-ce qu'on a assez de audibilité, par exemple, ou est-ce qu'on a besoin d'un interprète ou quelqu'un qui va utiliser la langue des signes, qui a besoin de se déplacer au même temps que la réadaptation? On a fait un peu de formation aussi avec des intervenants et des cliniciens. Comment communiquer vers un écran? C'est un peu comme l'expérience de la télévision. On fait maintenant l'entrevue à distance. Moi, je suis dans mon sous-sol depuis 9 mois. Ouais. Comment gérer nos travails et comment utiliser qu'est-ce que je peux voir sur mon écran? Est-ce que je peux interpréter et vous donner des instructions pendant que j'ai une mini-image de vous sur mon écran et de vous guider avec qu'est-ce que je peux interpréter sur l'écran. Ça prend un peu de temps, mais oui, c'est faisable, ça fonctionne bien dans certains contextes. Et ça, c'est vraiment rassurant d'apprendre que ça fonctionne bien parce que je pense qu'on s'entend pour dire que la téléréadaptation, même une fois la pandémie derrière nous, c'est là pour rester. Donc, on est rassuré de savoir que les personnes sourdes et aveugles ne seront pas laissées sur la voie de côté quand on va emprunter la voie de la téléréadaptation à grande vitesse. Ça, c'est une des choses qui vous a occupé, vous et votre équipe, ces derniers mois. Une de vos autres recherches qu'on trouvait particulièrement intéressante ici à Ça me regarde, vous êtes intéressé sur les conséquences qu'un double handicap ou un handicap sensoriel peut entraîner sur l'aspect cognitif. Ça a été quoi vos conclusions à cet effet-là? C'est l'aspect cognitif, je pense, c'est une grande préoccupation pour la population en général, mais surtout, on a découvert il y a quelques années maintenant qu'on a des liens entre l'état sensoriel et l'état cognitif. Surtout, la déficience auditive est souvent corrélée avec le développement des problèmes cognitifs plus tard dans la vie. Et maintenant, on essaie d'étudier est-ce que c'est vraiment une causalité? Est-ce que la déficience auditive peut causer une déficience cognitive plus tard? On n'est pas encore là. On a besoin d'interpréter les données avec un beaucoup de réflexion. Mais c'est une grande question. Comment garder le cerveau stimulé? Comment garder la personne engagée? Surtout les 3 aspects les plus importants. Si vous voulez mon avis aujourd'hui, c'est rester
socialement actif, rester cognitivement actif et surtout rester physiquement actif. Parce que c'est les trois ensemble qui sont les protecteurs le plus fort contre les problèmes cognitifs dans le temps. Il y a un troisième sujet là, qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez aussi un projet de recherche qui est mené par une de vos étudiantes qui concerne l'apprentissage du braille chez les personnes âgées. On a un peu les clichés que le braille, c'est vraiment fait pour les enfants, pour la littératie, pour apprendre comment écrire et lire. Mais on a le cliché un peu que pour la personne âgée, ça donne peu. Hein, ça donne rien, c'est difficile à apprendre, ils vont l'utiliser. Pourquoi? On a la synthèse vocale, on n'a pas besoin du braille. Mon étudiant a décidé, parce qu'elle a utilisé le braille toute sa vie et elle s'intéresse beaucoup de vieillissement. Et souvent, comme professionnelle de braille, elle a vu qu'on a certains clients qui sont 60, 70, 80 ans, qui s'intéressent, mais le service d'enseigner le braille n'est jamais offert. C'est à cause de ça qu'elle a décidé de faire un projet à étudier quel est le lien entre l'apprentissage du braille et l'âge au moment de commencer cet apprentissage. Et la bonne nouvelle, que je trouve fascinante, c'est l'âge de la personne n'est pas vraiment relié au succès. La partie qui est le meilleur prédicteur, si vous voulez, de réussir avec le braille, c'est combien de temps vous passez de l'utiliser. Ceci, vous apprenez plus tard dans la vie, mais vous l'utilisez chaque jour, ça va fonctionner. Peut-être c'est pas nécessairement pour lire des romans toute la journée, mais pour les tâches plus courtes, pour la lecture des récits, des trucs quotidiens, pour une personne âgée, ça peut fonctionner très bien. Le grand problème, souvent, c'est la stigmatisation, parce que les gens ne savent pas quoi faire avec. Est-ce qu'il peut demander ce service? Est-ce que le clinicien va l'offrir? Parfois, on se trouve un peu caché dans cette question de stigmatisation. Je vous dirais qu'il y a la stigmatisation, mais il y a la disponibilité aussi des ressources qui peuvent enseigner le braille, qui font que souvent on priorise certaines catégories de personnes à qui l'offrir. Puis malheureusement, ben les aînés, on n'est pas porté à le faire automatiquement. Merci beaucoup, Dr. Wittich. Très intéressant, vos recherches. Merci pour m'inviter. N'hésitez pas à nous revenir. Vous êtes visiblement très occupé. Mais si vous avez d'autres recherches de ce genre-là à nous partager, on est toujours preneurs.